J'ai acheté et testé la JBL Flip 5 et voici mon avis. Alors on va commencer par l'ergonomie. La Flip 5 ressemble beaucoup à la 4 avec la même forme et les mêmes matériaux. Elle est faite d'un nylon solide et d'un plastique caoutchouté qui semble très résistant. Tu peux connecter deux appareils en même temps, par exemple deux téléphones. Il y a aussi une fonctionnalité pour connecter plusieurs enceintes en même temps, mais la Flip 5 n'a pas de micro. Donc tu ne peux pas l'utiliser comme kit main libre. Le Bluetooth a un peu de retard, donc il peut y avoir un décalage entre l'image et le son quand tu regardes une vidéo, sauf si tu utilises YouTube ou Netflix qui corrige ça automatiquement. L'autonomie de la batterie est de 12 heures si tu mets le volume à mi-chemin. Et au niveau de l'audio, maintenant on va voir que la Flip 5 a vraiment un son très puissant et large. Elle a un seul haut-parleur avec deux radiateurs de grave sur les côtés. Le son est excellent, surtout pour une enceinte de cette taille qui est quand même assez petite. Les basses sont profondes mais pas toujours précises. Les aigus peuvent être un peu acides si tu es juste en face de l'enceinte. En général, le son est bon sauf si la musique est très complexe ou si le volume est très fort. Les voix sont claires et bien définies. La Flip 5 est une enceinte simple et efficace avec son son équilibré et puissant. Elle est aussi très solide, ce qui en fait une bonne enceinte pour l'extérieur. Si tu veux l'acheter, tu as juste à cliquer sur le premier lien de la description.